C'est quand même dingue la quantité de personnes qui me posent des questions sur les scénarios de BD. Je suis dessinateur, pas scénariste. Eh mais oui. Mais si j'appelle un scénariste, il répond à leurs questions et à moi la monétisation. Ah ben voilà. Allez, bah allons-y. Allez. Allô, bonjour monsieur Jean Van Damme, c'est Frédéric Pénégeux. Bon bah ce sera pas Jean Van Damme. Oui, bonjour monsieur Jean Dufaux, je suis Frédéric Penet, je voudrais. Ce sera pas Jean Dufaux. Jodorowsky, Jodorowsky, Jodorowsky. Bah ce sera pas Jodorowsky. Alain Hérole. Oui, Alain Hérole. Alain Hérole. Wilfried Lupano. Lupano. Allez, Lupano. 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 Bonjour, je suis Frédéric Penet, nous recevons Wilfried Lupano de notre émission. Macchio. Pierre Macchio. Pierre Macchio. Xavier Dorizon. Oui, d'Horizon, d'Horizon. Et nous recevons. Nous ne recevrons pas Xavier d'Horizon. Fabien Nury. Fabien Nury. Fabien Nury. Mais oui, bien sûr, Stéphane Desberg. Pas Stéphane Desberg. René Goscinny. Excellent, René Goscinny. Oh, la monétisation, le buzz que ça va faire. René Goscinny sur notre plateau. Bon, bah, René Goscinny s'occupait. Mais à qui est-ce que je pourrais bien demander? Bonjour. Effectivement, nous allons consacrer cette émission au scénario de bande dessinée. Or, comme vous le savez, je suis dessinateur et non pas scénariste. Je ne me sens pas la légitimité pour vous parler de cet aspect-là du métier. Mais nous avons la chance aujourd'hui, l'extraordinaire chance, de recevoir l'un des plus grands, l'un des plus talentueux créateurs d'histoire du 9e art. J'ai nommé Pietro Di Marzio. Donne. Alias Serge Le Tendre, scénariste de La Quête de l'Oiseau du Temps, scénariste... Une petite erreur de jeunesse. Scénariste de La Gloire des Rats, de Tiresias. Oui. Chinaman. Scénariste de Chinaman. Et quelques autres petites farces ici, comme ça. Voilà. Bon allez, soyons sérieux deux minutes. Serge Le Tendre, cachant son éternelle modestie derrière son humour, est le scénariste de séries prestigieuses telles que La Quête de l'Oiseau du Temps, avec Régis Loisel, Les Errances de Julius Antoine, La Gloire des Rats, Tiresias, avec Christian Rossi, Chinaman, ou encore Griffe Blanche, en compagnie d'Olivier Taduc, L'Oiseau Noir, avec Jean-Paul Détoré, Goliath, avec Jérôme Le Reculé, La Naissance de Jérôme K. Jérôme Bloch, en compagnie de Macchio et Dodier, L'Histoire de Siloé, avec Stéphane Servin, Le Livre des Destins, avec Franck Biancarelli. Serge Le Tendre, ce sont des dizaines et des dizaines d'albums, dont, au milieu, là, comme ça, parce que, bon, le projet Bleiberg, d'après le roman de David Carra, et avec Bibi au dessin. Bref, Serge Le Tendre est un scénariste de qualité, gentil, guilleré, beau, avec le poil soyeux et vacciné. Et donc Serge est ici, spécialement, pour répondre à vos questions. Alors, première question de Fabrice. Quelles sont les étapes à respecter quand on veut écrire un scénario de BD ? Selon ma longue expérience, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs étapes, dont une, la première. Ensuite, il y en a une deuxième, qui ne sera pas une seconde, puisqu'il y a une dernière, qui est la troisième, qui est l'épilogue. La première, c'est un petit peu le prologue, présentation des personnages, présentation des lieux, présentation, éventuellement, non, pas éventuellement, nécessairement, du conflit. Qu'est-ce qui fait que tel personnage va rentrer dans cette aventure qu'on va lui proposer ? La dernière, le dernier chapitre, c'est la conclusion, bien entendu. Comme, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui s'est passé, plus exactement, qui fait que le personnage a appris ou non quelque chose sur ce qu'il est, sur le but qu'il recherchait. Et entre les deux, ce que j'appelle nourrir le ventre de la bête, c'est-à-dire les actions, les obstacles, les rencontres, les pérégrinations, et les belles et les mauvaises choses qui peuvent arriver à ce personnage ou à ce groupe de personnages. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Toujours de Fabrice, y a-t-il une différence entre l'écriture d'un scénario de BD et les autres scénarios ? Je pense série, film, etc. Oui, alors je n'ai pas l'expérience des scénarios de cinéma ou de séries télé. Selon ce que j'ai pu approcher, le principe est toujours le même, hein.
un protagoniste, un objectif, des obstacles et une conclusion. Maintenant, dans l'écriture elle-même, j'ai pu lire comme ça quelques scénarios de films, c'est moins descriptif que ce que je fais, je ne sais pas pour les autres collègues scénaristes, mais moi je m'astreins à être très précis dans mes indications de définition d'image, plan rapproché, gros plan, etc., qui ne sont que des suggestions. Comme au cinéma, il y a un maître d'œuvre, le metteur en scène, eh bien en bande dessinée, le maître d'œuvre, c'est le dessinateur. Il en fait ce qu'il en veut, c'est un support pour lui. Question de Dino. J'essaye d'écrire depuis un bout de temps, sauf que je me heurte à ce grand mur qu'est le séquençage. Le séquençage n'est ni plus ni moins qu'un séquencier, en fait. C'est-à-dire qu'on raconte en quelques lignes ce qui se passe dans chaque séquence. Il faut être bref, succinct, et puis passer rapidement de l'un à l'autre. C'est une vision d'ensemble de l'histoire qui ne va pas dans le détail, mais qui donne envie d'en savoir davantage. Merci Serge. Question de Jean-Marc. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Continue, s'il te plaît. On continue, Cathy. Hugo Pratt disait qu'il fallait commencer par la fin de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Comment dire Il n'y a pas tort, mais c'est comme si on devait finir par le début de l'histoire. Donc, c'est bien de savoir où on va lorsqu'on commence l'histoire, mais quand je commence une histoire, je m'efforce de savoir quelle est la fin. Mais il peut y avoir des variations. Il me semble que dans une de tes séries, c'est la fin qui t'est venue en premier. La quête de l'oiseau du temps. La quête de l'oiseau du temps. Alors, non. Il y a eu un début, ensuite il y a eu un développement, et ensuite il y a eu cette fin qui m'a permis de retravailler toute l'histoire jusqu'au début. Il y a eu un effet boomerang. D'accord. Il y a plein de questions de Sébastien, donc commençons. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Quand même. Comment est choisi le thème de base, l'univers, l'époque? Sa deuxième question, c'est d'où vient l'inspiration? Je pense que le tout est lié. Exactement. L'inspiration, c'est chacun à sa façon d'avoir une inspiration, soit en observant le monde au quotidien, les petits faits divers, soit en lisant beaucoup de récits, que ce soit de l'aventure, en développant les choses qui nous sont précieuses, en rêvassant aussi, et puis en se creusant la tête. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que parfois on va dans une direction, on se cogne contre un mur, et bien justement c'est peut-être la façon la plus indirecte de raconter une histoire, c'est d'abord d'aller s'affronter à des obstacles, et bien en les contournant on va découvrir que derrière cet obstacle, il y a tout un univers à découvrir. Le dessinateur a-t-il son mot à dire dans l'écriture? Non. Le dessinateur c'est quoi? Je ne sais pas. Le dessinateur a plus que son mot à dire dans l'écriture. Il doit, encourager le scénariste à penser qu'il est le meilleur du tandem. Ah non, c'est pas ça qu'il faut dire. Le dessinateur, il a son mot à dire, non pas dans l'écriture, mais dans l'interprétation de l'écriture. Dans le ressenti par rapport à l'histoire. Dans le dessinateur va passer des mois de travail sur une histoire de bande dessinée. Si cette histoire ne correspond pas à quelque chose qui lui fait plaisir, ce serait bien dommage. Donc si ça lui fait plaisir, il s'investit. S'il s'investit, il a des propositions à faire. Et de toute façon, à ce moment-là, ce qui compte, c'est que les propositions ne sont pas des oppositions au travail du scénariste, mais au contraire, une affirmation que l'histoire peut être mieux. Le scénariste ne peut qu'applaudir de ses quatre mains. Quatre. Quel est le parcours initial pour être un bon scénariste de BD? Aucune idée. Il n'y a pas de... Aucune idée. Chaque scénariste a eu son parcours à soi, à lui. Moi, mon parcours est brinque-ballant. Je n'ai pas fait d'études. J'ai fait des tas de petits métiers. J'ai surtout rencontré des gens qui étaient animés de la même passion, Régis Loisel et bien d'autres. Et on s'est tenus chaud. Puis petit à petit, à une certaine époque, il y avait des supports qui nous permettaient d'être publiés dans la presse, donc la presse de bande dessinée. Mais maintenant, c'est complètement différent. Les supports ne sont plus les mêmes. Le niveau technique est bien plus supérieur à celui que nous avions à nos débuts. Donc chaque parcours est différent et personnel. C'est une histoire personnelle pour chacun. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Ouais, tout à fait. Je résume en trois mots.
C'est la différence entre un dessinateur et un scénariste. Le dessinateur dit les choses en trois mots, le scénariste va développer. Ben non, voilà, c'est parce que j'ai le trac de me retrouver devant. Combien tu as d'abonnés ? 253 000. Si tu t'abonnes, ça fera 254. Aïe. Attention, cette question. Comment on gère un échec ou un succès ? Oh. Mal. Ou bien mal quand c'est un échec et avec une fausse modestie vraiment apparente lorsque c'est un succès. Quand on le gère au champagne quand c'est le succès, et puis au vin ou à la bière là, quand c'est l'échec. Si c'est champagne, c'est dans une flûte, et si c'est vin rouge, c'est un picrate dans le verre à dents. Question de Guilhem. Comment présenter l'histoire dans le scénario, planche par planche ou case par case ? Si c'est case par case, est-ce fait de façon graphique ou littérale ? Alors, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler pour les autres scénaristes, avant de faire le découpage, avant même de faire le séquencier, je vous conseille de faire une note d'intention, c'est-à-dire en quelques lignes, l'époque et la philosophie de l'histoire, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, il y a le fameux séquencier dont on a déjà parlé. Ensuite vient le découpage. Quand je livre le découpage, il est entièrement fini. Et donc c'est page par page, en mettant quel est le nombre d'images par planche, et je décris très précisément ce qui se passe dans chaque image. Quitte à en mettre un petit peu trop, mais ça permet au dessinateur de faire le tri sur les éléments qu'il veut mettre en avant. Donc, page par page, image par image, et à l'intérieur de ces descriptifs, bien entendu, il y a les personnages et les dialogues. C'est extrêmement précis. J'ai l'habitude de dire que j'écris des images. Pas du scénario, plutôt des images, qui vont ensuite faire un scénario. Question de Vinzouille ou Vinzouille, je ne sais pas comment on prononce, désolé. Attention quand même. Faut faire attention. Les procès. Si ça se trouve, on va perdre un abonné. Avec ma bourde. Tant qu'on ne perd pas un lecteur. Un bon scénario est-il forcément influencé par la vie, les idées et les expériences de l'auteur ? J'entends par là, l'auteur doit-il parler de ce qu'il connaît ? Alors, je pense que c'est qu'un bon scénario, sinon que c'est un scénario qui me parle, que je commence depuis le début jusqu'à la fin, et qui me laisse ensuite une impression. Alors, peut-être qu'un bon scénario, c'est un scénario qui laisse une impression, et cette impression est nourrie par quelque chose qui correspond avec certainement ce que l'auteur ou les auteurs ont voulu me transmettre, qui est de leur propre univers. En ce qui me concerne, je me nourris bien entendu de l'extérieur, de mes thèmes récurrents, qui sont pour certains en tout cas la recherche d'identité, la place dans une certaine société, les relations amoureuses entre parents, entre conjoints. Donc c'est nourri nécessairement de ce que je suis, de ce que les auteurs sont. Maintenant, le piège à éviter, c'est de faire en sorte de mettre tout ça au premier plan. Non, non, c'est beaucoup plus subtil de mettre une action, une aventure, quelque chose qui nous emporte, qui gonfle comme une vague, et à l'intérieur de cela, presque en sous-marin, il y a ce qui nous fait, ce qui nous donne l'envie de raconter des histoires, donc des choses parfois personnelles, intimes, mais qu'il ne faut pas mettre en avant, parce que sinon le lecteur va tout de suite s'en désintéresser, en ce qui me concerne. Question de Lucie. Vaut-il mieux faire des petits épisodes d'une histoire et les dessiner au fur et à mesure, je pense à des étapes, ou bien écrire toute l'histoire d'un tome en entier, puis tout dessiner ? Selon notre méthode de travail, il vaut mieux avoir la totalité sous forme même de brouillon, ce qu'on appelle un storyboard, des roughs, comme ça au moins on sait à quoi s'en tenir, et s'il y a des repentirs, on n'a pas besoin de retoucher des planches déjà finalisées, parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui serait bancal. Donc moi je préconise une mise à plat de toute l'histoire, et d'avoir une vision d'ensemble, même éventuellement prendre un peu de recul, laisser passer quelques jours, un certain temps, y revenir, comme dans la cuisine. On fait mijoter, on y retourne, et puis après on y goûte et on voit s'il y a quelque chose qui manque. Ouais. Et là, on rajoute du sel, du poivre, un peu d'éléments dramatiques ou comiques, si nécessaire. Oui, mais en tant que dessinateur, c'est beaucoup plus confortable d'avoir l'histoire en entier, pour les mêmes raisons que toi, hein. Plutôt que d'attendre deux pages par deux pages, peut être un peu stressant parce qu'on ne sait pas du tout où on va et on ne peut pas anticiper les choses. C'est déjà arrivé à des dessinateurs
quand bah, je parle notamment d'un scénariste qui est défunt maintenant, Jean-Michel Charlier, qui tombait du scénario au goutte à goutte. Ce qui fait que parfois les dessinateurs se retrouvaient avec. Ils avaient déjà dessiné une séquence, ensuite ils reçoivent la suite, et ça ne correspond pas, le lieu ne correspond pas, ou les réactions des personnages, donc il faut réajuster, et c'est l'enfer. Donc, tout faire, et ensuite recalibrer au coup par coup. Très bien. Est-ce qu'écrire un scénario à deux, c'est possible, pertinent, difficile ? C'est possible. Ça peut être pertinent si on s'entend bien avec le collègue. Difficile, ça dépend de, là aussi de la collaboration. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de travailler avec un scénariste qui s'appelle Rodolphe, avec Pierre Macchio pour les deux premiers Jérôme, avec Pascal Rey qui travaille dans le télé-cinéma maintenant, avec Dieter aussi. Alors, moi, j'ai jamais eu de problème pour travailler avec un autre scénariste. Donc, pour répondre à cette question, c'est possible. La seule condition, c'est qu'on soit quand même en accord l'un et l'autre. Et il peut y avoir aussi une répartition des rôles. Je me souviens avec Rodolphe, il était plus habile sur les dialogues et moi sur le découpage graphique. Donc on se complétait très bien dans ce cas de figure, mais ça peut être l'inverse avec d'autres co-auteurs. Toujours une question de Marco. Je ne sais pas si j'avais cité Marco, donc j'en profite pour le redire. Bonjour Marco. Ah ben, Marco. Marco. Bonjour Marco. Marco avait déjà posé sa première question, mais parlant de la deuxième question. Imaginons, j'ai une idée, une ébauche d'histoire, j'aimerais en faire un scénario. Oui. Par quoi je commence ? Par le début ? Voilà. Qu'est-ce que je peux d'autre répondre ? J'ai un début d'histoire. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai un début d'histoire ? Ben, il a une idée. Ah, ben c'est bien. Une ébauche d'histoire. Ah, ben c'est bien. Il aimerait en faire un scénario. Ben, Par quoi il commence ? Par le début. Il commence à jeter ses premières idées, les personnages, et puis mettre en place l'histoire. S'il a l'histoire en tête, il n'y a qu'à l'écrire. Ouais, très bien. Oui, il faut commencer par le début. Enfin, voilà. Comme je disais tout à l'heure, une vision d'ensemble, ça aide. Et puis après, on commence par le début, et pas par la dernière image de la dernière planche. Ah, bon. Est-il toujours nécessaire de développer le lore ? Alors le lore, c'est l'environnement, c'est l'histoire de fond. Est-ce qu'il faut de la matière en plus ? Alors ça dépend de ce fameux lore, ça dépend de l'endroit où ça se passe. C'est vrai que c'est du matériel en plus, parce que si c'est la science-fiction ou de l'historique, on a intérêt à être raccord avec l'environnement, parce que c'est l'un des éléments qui peut influencer l'histoire. Oui, il vaut mieux être raccord, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'interférences. Mais s'il y a des interférences, plus on en saura sur ce qui se passe autour, plus on se sentira en accord avec ce qu'on raconte avec les personnages. Une question d'Iris, maintenant. Bonjour Iris. Bonjour Iris. Est-ce que l'écriture de scénarios de BD est limitée, consciemment ou non, à ce que vous vous pensez capable de dessiner ? Et est-ce que les découpes sont déjà dans votre tête au moment de l'écriture ou c'est un exercice qui vient forcément après ? Joker. Alors, oui, puisque tu es scénariste, tu n'es pas dessinateur. Non. Et pourtant, il a quelques petits talents de dessin. À titre personnel, quand on travaille, Serge et moi, sur le storyboard, je ne me pose pas la question de savoir si j'aurais des difficultés à dessiner quelque chose plus tard. Toi et moi, on fait ce qu'il faut pour être au plus proche possible de ce qu'on veut faire passer, du sentiment qu'on veut faire passer. Et si ça demande de faire un décor inimaginable sur lequel je vais devoir passer 15 jours, eh ben, on le fait. Si ça le demande, voilà. Je ne me pose pas la question à ce stade-là. Et je dirais que pour quelqu'un qui est à la fois scénariste et dessinateur, ou scénariste et dessinatrice, quand on est dans le rôle du dessinateur, du scénariste, il ne faut pas se projeter en tant que dessinateur. Est-ce que je vais être capable de le faire ? À mon avis. Voilà. Sauf que parfois, quand je fais des descriptifs d'images, je ricane en douce en me disant « Oh là là, le pauvre dessinateur, il va se taper un travail d'enfer. » Oui, ben. Mais je suis toujours admiratif du résultat. C'est le fameux F-O-U-L-E qui prend 2 secondes à écrire pour le scénariste et 1 semaine pour le dessinateur à mettre en image.
La suite de la question d'Iris, c'est est-ce que les découpes sont déjà dans votre tête au moment de l'écriture ou est-ce un exercice qui vient forcément après ? Qu'est-ce qu'elle entend par découpe ? Découpe. De découper. Peut-être le découpage. Alors le découpage se fait au fur et à mesure. J'essaye, dans la mesure du possible, que les bas de page nous incitent à tourner la page, puisque on est encore sur du support papier. J'essaye aussi, dans la mesure du possible, que chaque séquence nous amène une réponse à une question et une nouvelle question. Du coup, en fait, le principe que moi je privilégie, c'est qu'il faut prendre le lecteur par la main et ne jamais le lâcher, jusqu'à la fin. Que ça soit par l'action, les émotions et, bien entendu, le découpage qui va le conduire petit à petit à trouver la fin de l'histoire. Ensuite, que l'histoire lui plaise ou non, c'est un autre problème. Mais déjà, techniquement, l'amener jusqu'au bout, par petits morceaux, effectivement, mais en suivant les contraintes propres à celles de la bande dessinée, support papier, feuilleton, on va dire, et puis une action, des émotions, du suspense, des changements de point de vue, des changements de décor, de la richesse. Très bien. Question de Raclette Bagarre. Bonjour. Bonjour Raclette. Comment gérer à la fois le fait d'être bavarde, d'alléger le texte en projetant ce qui peut passer par l'illustration, et ne pas se retrouver avec des pages de description en mode dictateur qui réduirait l'illustrateur ou l'illustratrice à une main, parce que moi je sais pas faire. Alors déjà, il faut faire confiance au dessinateur. Premier point, une bonne collaboration, c'est une confiance partagée. Il peut y avoir des commentaires et des critiques de part et d'autre. Encore une fois, ce qui compte, c'est pas l'amour propre de chacun, ni son savoir-faire, c'est le produit final, si je peux parler de produit, c'est-à-dire quelque chose dont tous les deux sommes satisfaits, qui est même au-delà de la proposition initiale. Ensuite, bavard ou pas bavard, ça dépend de ce qu'il y a à dire. Si les informations sont importantes et qu'elles doivent passer par le dialogue, gardons-les. Mais n'oublions pas que l'image peut nous raconter bien plus de choses parfois que du bavardage dont tu parles. Ce que j'ai toujours aimé dans certains de mes scénarios et des collègues, c'est quand une planche est muette. Mais elle est muette, mais elle raconte énormément de choses parce qu'en amont, il s'est passé des événements qui nous laissent, je dirais un petit peu, en attente de quelque chose. Et ce quelque chose, dans le silence, nous dit beaucoup de choses sur le personnage. Et puis tout simplement, scénariste et illustrateur ou illustratrice, c'est une relation à deux. On peut se parler. Moi, en tant que dessinateur, si je me retrouve bloqué par trop d'explications, je peux aussi dire au scénariste, mais en moins, j'ai besoin de plus de place pour m'exprimer, ou à l'inverse, de demander, donne-moi plus de choses parce que je ne sais pas comment remplir ma page. Un autre exemple, c'est que sur un découpage, par exemple, qui fait 8 images, si, pour les besoins de la lisibilité de cette séquence, il faut ajouter ou supprimer des images, ça se discute, mais c'est le travail de mise en scène, c'est essentiellement le dessinateur. Donc à un moment, il peut très bien dire, il y a 2 images de trop, on peut trouver un moyen technique, un plan, que ce soit un plan d'ensemble, etc., pour synthétiser ces 2 images. Ou au contraire, il faudrait surdécouper, et ben voilà, c'est très bien. C'est à partir de la proposition du scénariste que le dessinateur réalise la vision de l'auteur, l'auteur étant dans ce cas-là le tandem. Ça va, Serge ? J'ai quelque chose de changé ici, mais j'arrive pas à voir quoi. Je ne sais pas. Il fait chaud, peut-être. Ouais. B Découverte te demande, vous arrive-t-il de commencer le scénario non pas par le début, mais un peu plus loin dans le récit ? J'aurais une idée de scénario, je pense que le débuter serait le plus dur dans le sens où il faut commencer par poser l'histoire, amener un contexte qui va faire que tout se lance. Je dirais que la réponse est dans la question. Il faut commencer par, de préférence par le début, mais s'il n'y arrive pas, qu'il saute l'obstacle, mais qui reviennent très rapidement au début, parce que le début, c'est là où les personnages apparaissent. Si on les connaît, si on les comprend, il faut faire tout de suite avec eux. C'est pas en contournant l'obstacle que les choses vont apparaître, là. Pas dans ce cas-là, en tout cas. D'accord. Chetty. Hello, Chetty.
Comment découper temporellement un scénario storyboard? Comment savoir si un rythme est bon ou trop lent, trop rapide en scénario pour ne pas paumer un lecteur, une lectrice? Ah ouais, si je le savais... Bref, pour répondre à peu près sérieusement à cette question, parce que quand même, là, on est dans une causette presque Arte, quand même. Ah, il n'y a plus de son. Non, si, c'est bon, ça marche. Je sais alors, pas. Alors, c'était quoi la question? Ah oui, déjà... Comment découper temporellement un scénario storyboard? Ah, oui. Comment savoir si un rythme est bon ou trop lent, trop rapide? Eh ben ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. C'est un peu comme en musique. On comprend instinctivement, intuitivement même, si ça marche bien. C'est comme en danse. Si vous dansez, votre corps est fluide et il n'est pas à contre-temps, vous êtes en accord. Et là, pour l'histoire, il faut être en accord avec ce que nous, on a, soit on a envie de voir, de lire cette histoire, on la porte en nous, et on veut qu'elle soit rythmée par notre propre vision. Il n'y a pas de règle pour ça. Enfin, il y en a certainement, il y a des écoles de scénarios dont je ne connais pas bien, mais il faut que ça soit quelque chose d'instinctif. Et pour ça, pour en arriver à ça, il faut avoir lu beaucoup de bandes dessinées, de romans, vu beaucoup de films, se nourrir de ce qu'ont fait les autres, comme certains musiciens apprennent à jouer de la musique sans connaître le solfège. Question de Roumir, je crois qu'on prononce comme ça, désolé si j'écorche ton nom. Quelles sont les différentes étapes de l'inclusion des dialogues dans une planche? Le texte figurant dans le scénario a-t-il souvent besoin d'être modifié pour s'adapter à la place disponible dans la planche? À quel moment décide-t-on de la taille de la bulle? Bon, là, je pense que c'est plus une question au dessinateur, parce que le texte peut être éventuellement modifié ou reporté d'une bulle à une autre, pas d'une case à une autre, mais c'est surtout au dessinateur de s'arranger pour que le texte de cette bulle figure dans l'image. Oui, le texte, de toute façon, est écrit en amont. 99% du texte est écrit en amont par le scénariste. Il peut arriver qu'on retouche un dialogue, qu'on le modifie, mais c'est au moment du storyboard que le dessinateur ou la dessinatrice doit choisir la taille de sa case, comment composer sa case, comment placer les bulles. C'est d'ailleurs généralement la première chose que je fais quand j'ai établi le nombre de... Enfin, le nombre de cases, c'est toi qui l'établis dans ton découpage. Oui. Quelle forme auront les cases? Je place d'abord mes bulles et ensuite je vais articuler le dessin autour des bulles. Et ce qui peut arriver aussi souvent, c'est que justement la fameuse étape du storyboard permet de visualiser, on va dire, une ébauche assez poussée quand même de l'histoire. Et à ce moment-là, on se rend compte de l'efficacité des dialogues. Si ça se trouve, tel dialogue sur le papier était bien, ça pouvait ronronner, mais sur l'image, je dis, non, finalement, on peut faire plus simple, le dessin apporte le nécessaire pour la compréhension de ce qui doit être dit ou suggéré, que ce soit par l'image ou par le dialogue. Donc, je reviens là-dessus, cette fameuse étape de collaboration est une étape enrichissante pour les auteurs, mais permet de finaliser l'histoire avec, je dirais, le maximum d'efficacité. Question de Déborah. Je n'imagine pas un scénario. Je n'arrive à imaginer que le storyboard. Du coup, comment se présente un scénario? Quelles sont les étapes incontournables? Comment peut-il aider à la réalisation du storyboard? Alors déjà, Déborah, si tu ne sais pas comment se présente un scénario, une page de scénario, ce qu'on peut faire avec Serge, c'est magie, on fait apparaître une page de scénario de Serge. Incroyable, c'est moi qui ai écrit ça. Et comme tu peux voir, il y a la description, le nombre de cases, enfin il y a déjà le nombre de cases, les événements qui se passent pour chaque case, les personnages qui apparaissent, et puis ensuite les dialogues, si dialogue il y a, et les hors-textes, si hors-texte il y a. En l'occurrence, je crois que ça doit être du projet Bleiberg. As-tu quelque chose à ajouter à la question de Déborah qui demandait comment se présente un scénario? Voilà, l'exemple est crachant de vérité. Voilà. Ah bon. Quelle méthode utilisez-vous pour créer un scénario? Pour ma part, j'utilise la méthode du voyage du héros théorisée par Joseph Campbell. Alors, le problème, c'est que toi et moi, on ne sait pas du tout qui il est. Alors, je confesse totalement mon ignorance sur Joseph Campbell.
je ne demande qu'à connaître. Personnellement, je me réfère à un auteur français, enfin un théoricien, auteur dramatique, cinéaste et script doctor, qui s'appelle Yves Lavandier. Donc il a écrit plusieurs ouvrages, celui-ci en est un, construit un récit. Il a écrit la dramaturgie qui reprend des exemples dans le théâtre, le cinéma et la bande dessinée. C'est un outil pédagogique qui est à disposition de tout un chacun. Je ne sais pas s'il est meilleur que d'autres, mais en tout cas, pour moi, c'est un des plus efficaces. Voilà, je ne peux pas répondre pour Joseph Campbell. Moi, tout ce que je connais de Campbell, c'est les soupes. Donc, peut-être les soupes opéra, mais ça sert à ça. À ceci, j'ajouterais aussi que si tu as pu utiliser une méthode au début, au bout d'un certain temps, tu te fais suffisamment confiance pour suivre ton instinct, peut-être, et des acquis, des choses. Alors, je me suis servi, effectivement, de la théorie, si on peut dire, qui est proposée par Yves Lavandier, parce que lorsque j'écrivais notamment La gloire des rats, dessinée par Christian Rossi, j'avais mon thème, mais parfois je partais un petit peu dans des chemins de traverse qui ne me satisfaisaient pas. Donc j'ai quand même récupéré certains éléments de l'enseignement de Yves Lavandier, parce qu'il fallait que je me recentre, mais au bout d'un moment, les choses se font naturellement. C'est-à-dire que si on a acquis les bases, même si on les oublie, elles sont toujours là, ce sont des fils conducteurs. Je parlais tout à l'heure des musiciens, c'est un petit peu comme ça, c'est une ligne mélodique qui va revenir, qui va se disperser, mais qui reviendra nécessairement. Donc la théorie c'est bien, mais il faut pouvoir à un certain moment la digérer, s'en débarrasser et laisser libre cours à son inspiration. Il ne faut pas être prisonnier de trop de contraintes. Il faut se faire plaisir. Et ben voilà, c'est une conclusion parfaite. C'est une belle conclusion. Je pense que maintenant je vais aller me mettre à poil. Oui, ben je vais couper avant. En tout cas, je retiens à vous remercier de vos questions. Je tiens à remercier Frédéric Penet qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans sa célèbre émission. Et je tiens à remercier le vestiaire, les personnes qui, très gentiment, nous ont prêté tous ces accessoires un peu fantaisistes, mais qui ajoutent un peu de crédibilité à nos propos. Et moi, je remercie Serge pour sa générosité. Pour le chèque, on verra après. On verra après pour le chèque, on verra avec ton éditeur. Pour ses réponses un petit peu plus développées que les miennes et un peu moins bredouillantes que les miennes. Pouf. Sur un sujet qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi. On va vous laisser avec un petit bêtisier parce que je pense qu'on a 2-3 extraits sympas à vous montrer. Merci à vous d'être venu voir cette vidéo et à bientôt. Voilà, et toi, Serge, regarde la caméra. Aide-moi un peu. Pardon ? Je mettrai les couvertures sur oui, très bien. En direct, comme ça. Oui, j'aime bien tirer voilà. La couverture. Excuse-moi, j'entends rien, j'ai un casque sur les oreilles. Pardon. Et puis aussi... Pardon. Quoi ? Pardon. Ça va être coupé. Mais non, ça sera pas. On va vous laisser le temps d'un bêtisier. J'ai filmé en très gros plan le... Pouf, pouf. C'est genre, je coupe à ce moment. On va vous laisser avec un petit bêtisier, j'imagine, parce qu'on s'est marré un tout petit peu... Oui, on s'est marré quand même. Tu vois, ça sent dans le bêtisier. Si on se marre pas, à quoi bon ? Ouais. On va vous laisser avec un petit bêtisier parce que je pense qu'on a 2-3 extraits sympas à vous montrer. Merci à vous d'être venu voir cette vidéo et à bientôt. Il commence à crush.